Aujourd'hui, c'était une action campus d'excellence du Centre Val-de-Loire. Les campus des métiers des qualifications est un label national. Sur le territoire du Centre Val-de-Loire, vous avez aujourd'hui deux campus d'excellence, Patrimoine Métiers d'Art et Tourisme et Cosmétopharma. Mon rôle dans ce campus, en fait, c'est de piloter et d'impulser des actions qui vont permettre de mettre en adéquation l'offre de formation de la région, enseignement supérieur et éducation nationale, avec les besoins des industriels, des filières cosmétiques et pharmaceutiques. Le campus est un réseau qui rassemble des acteurs de la formation, des institutionnels et des professionnels pour travailler ensemble à la définition d'actions qui contribuent à la montée en compétences des apprenants sur l'ensemble du territoire régional autour de filières d'excellence qui sont celles des patrimoines. Donc on rassemble 7 filières allant de la restauration du patrimoine bâti jusqu'à l'hôtellerie, restauration, tourisme, en passant par les métiers d'art et le paysage. Donc on intègre vraiment toute la chaîne des patrimoines, de leur préservation, restauration, à leur mise en tourisme. Le campus patrimoine, métiers d'art et tourisme a été créé pour justement répondre à un besoin de transmission de savoir-faire, attractivité métier, pour faire connaître et découvrir ces métiers qui sont des métiers d'excellence. On parle de patrimoine, ce sont en fait les fleurons qui font le Centre Val-de-Loire. Donc c'est aussi assurer la transmission, la reprise d'entreprise et assurer aussi le lien avec la recherche académique, l'innovation. La région Centre Val-de-Loire, elle est très dotée en industrie cosmétique et pharmaceutique. Ça représente plus de 15 000 emplois sur le territoire régional en termes de production particulièrement de cosmétiques et de médicaments. Avec l'effet Covid et la crise sanitaire, on a aussi le besoin de relocaliser l'industrie pharmaceutique, de développer de nouveaux métiers et de relocaliser non seulement la production, mais aussi la R&D. En termes de relocalisation, ça implique aussi d'avoir plus de recrutement. Donc le rôle du campus Cosméto-Pharma, c'est de bien faire connaître ces métiers, de bien faire connaître cette opportunité d'emploi et d'attirer les jeunes vers les formations qui permettront de les amener sur le bassin de l'emploi régional à 2, 3 ans, 5 ans peut-être. On va travailler avec des lycées pilotes et des industriels à la coloration des bacs pro de la maintenance, créer des modules complémentaires, des projets d'industriels adaptés à ces élèves de bac pro. Cette coloration, elle ouvrira en septembre 2022. Et l'objectif ensuite, c'est qu'elle puisse être déployée à d'autres bacs pro et à des BTS. On va avoir une série d'événements et notamment d'événements digitalisés au travers de webinaires pour bien faire connaître les métiers de certains services des filières industrielles cosmétiques et pharmaceutiques. Des webinaires sur les métiers et les formations de la logistique, de la maintenance, du contrôle qualité. Il nous a semblé opportun d'organiser un événement pour ces deux campus qui sont nés à des temporalités différentes. Donc dans notre cas, ça fait maintenant un an. En fait, aujourd'hui, presque une année de mise en place du campus. Et c'était aussi l'occasion pour montrer nos réalisations. Et ce travail, aujourd'hui, est visible par ce dispositif Un métier à la clé, qui est aujourd'hui présenté et donc qui va contribuer justement à présenter les métiers de l'hôtellerie, restauration, tourisme à des publics de collégiens, mais aussi adultes en reconversion. Mais également, c'était aussi l'occasion de faire un bilan de cette première année pour se projeter justement sereinement vers 2022 avec plein d'actions à destination justement des apprenants de notre territoire, allant du CAP à la formation continue en passant par l'enseignement supérieur, master et doctorat. Alors, le triporteur, en fait, c'est une sorte de stand mobile pour l'orientation, pour la promotion des métiers de l'hôtellerie, restauration, tourisme. Donc, c'est un outil ludique et innovant qui permet par le jeu de faire découvrir 12 métiers du secteur hôtellerie, restauration, tourisme. Il va faire une tournée sur toute la région Centre-Val-de-Loire. Vous pourrez notamment le retrouver lors des forums, des nuits de l'orientation, lors des portes ouvertes de certains établissements de formation ou encore dans les pôles emploi. Alors, pour découvrir les outils du triporteur, donc le premier jeu, et c'est celui qui rencontre le plus de succès, c'est un jeu de pistes que vous voyez ici dans les vitrines. Le principe est simple. Vous avez ici des petites clés, voilà, qui servent à ouvrir des boîtes. Chaque boîte contient un indice et ces indices permettent de découvrir les éléments d'une fiche métier.
Et donc, il faut ouvrir toutes les boîtes pour remplir une fiche métier et découvrir notamment le salaire, les études, les compétences d'un salarié fictif, donc sur 3 métiers différents. La fiche métier à compléter. Et vous pouvez découvrir des indices sur la fiche métier grâce à la lampe. Dans le cadre du projet Triporteur, nous avons créé 2 livrets en réalité augmentée, rédigés par des acteurs de l'emploi et de la formation de la région. Ces livrets, en fait, peuvent être utilisés avec une application. Vous passez le téléphone sur les livrets et ça fait surgir du contenu complémentaire, comme des fiches métiers, des interviews d'étudiants en formation en Centre-Val de Loire ou de professionnels, ou encore des moteurs de recherche qui vous permettent de trouver l'établissement de formation près de chez vous. Le projet Un métier à la clé, il a été précédé en fait d'un travail de 2 ans mené par un groupe de travail dans lequel on avait notamment des enseignants, des professionnels, des psychologues de l'éducation nationale, des personnes également de la région centre et de l'ONICEP. Et donc nous avons travaillé tous ensemble à un contenu. Le travail, ça a d'abord été de sélectionner 12 métiers, à la fois des métiers qui recrutent, mais aussi des métiers d'avenir, des métiers émergents, notamment sur notre territoire. Nous avons travaillé ensuite à une réflexion autour du graphisme. L'idée, c'était que ce projet représente non seulement le secteur, mais également la région Centre-Val de Loire, et donc dans toute sa diversité. Vous pouvez y voir notamment des images de châteaux, de spécialités régionales, donc c'est vraiment un triporteur de la région Centre.